nous avons presque 100 ans et nous faisons le clairin à partir du sirop de canne. Nous le faisons avec notre cœur, nous le faisons avec, je dirais, avec toute notre fierté. Nous voulons que cette boisson soit reconnue à travers le monde pour ce qu'elle est. Je suis Stéphane Saoud. Ça fait près de 80 ans qu'on existe. On est là depuis 1932. C'est une opération qui a débuté avec mon grand-père, qui s'appelait Princeton Pierre-Gilles. À l'année 1932, il a décidé de mettre sur pied une petite distillerie. Il était chaudronnier de métier. Et à un certain moment donné, il a décidé de construire sa propre distillerie. Donc, il est allé dans la zone de Cabaret et pour plusieurs raisons. Et premièrement, il y avait de la canne à cette époque. Et cette région était couverte de canne. Et aussi, il y avait l'eau. Donc, ce sont les deux choses importantes pour avoir une distillerie. Pour faire marcher une distillerie, c'est l'eau, parce que vous avez besoin de beaucoup d'eau pour faire la distillation, et la matière première, qui est la canne. J'ai décidé de reprendre la distillerie avec les employés d'alors qui étaient là, avec les mêmes équipements. Et on a repris l'activité, on a continué à produire le clairin. Nous utilisons la canne qui est fraîchement coupée, qui provient de nos champs. Nous achetons aussi de la canne entre les mains de plusieurs autres planteurs de la zone. Une fois amenée à l'usine, la canne est broyée dans nos moulins. C'est un moulin qui date de 1950. Le transfert du jus de canne se fait du moulin vers la salle où on prépare le sirop. Et c'est une salle de chauffage où la chaudière est chauffée à nu avec la bagasse. Le jus de canne est élevé à une température où l'eau s'évapore de plus en plus jusqu'à un certain niveau où nous recueillons le sirop de canne qui sera ensuite mélangé avec de l'eau. C'est une industrie qui n'utilise pas, je dirais, des déchets toxiques ou d'autres choses. Nous utilisons très peu de fioul, de gazoil pour la faire marcher. Et sans compter, ça crée beaucoup d'emplois. Ce sont des gens qui sont très modestes, mais quand même, nous avons traversé beaucoup de temps. Nous avons presque traversé un centenaire avec cette distillerie-là et nous ne voyons pas pourquoi on ne peut pas durer 200 ans ou beaucoup plus d'années que nous sommes ici. Là. Nous sommes dans la production de rhum, ça fait pas mal d'années. Ce projet nous permet aussi de bien démontrer ce qu'Haïti a à offrir au monde. Et nous avons une culture très riche, et une agriculture très riche, un terroir très riche. Je m'appelle Herbert Barbanco-Lingué, petit-fils de Jeanne Barbanco. La distillerie de Port-au-Prince a été une collaboration entre la maison Évillier et Bernier S.A., notre société en Haïti. Et nous avons décidé d'apporter notre connaissance et l'expertise de Lucas et de Thierry dans le secteur et des rhums, comme experts en rhum également, et pour nous aider à développer de produits traditionnels, j'aurais dit, un produit méthode. Et derrière nous, nous avons un alambic pot still. Et de Müller, et c'est un alambic allemand.
Et donc ça, c'est ce qu'on appelle la double distillation. Donc il y a le premier processus et qui distille la fermentation, qui nous donne un produit à bas degré entre 25 et 30% d'alcool. Ensuite, on passe à la deuxième distillation où on obtient le produit final entre 72 et 78% dépendamment de ce qu'on recherche comme produit fini. Point de vue production, nous travaillons avec le sirop et aussi le jus de canne. Le sirop, ça nous permet d'avoir un arôme plus riche et au goût. Et le jus nous donne aussi l'arôme et au nez. Donc, une balance des deux, ça nous permet d'avoir un produit assez intéressant et très différent de ce qu'on retrouve en général et sur le marché international. Nous avons débuté avec le first drop, qui est notre première release de Providence. C'était principalement une distillation de sirop et de jus. La matière première utilisée pour Providence, c'est la canne cristalline. Et nous avons décidé d'utiliser la cristalline. C'est une canne assez fine, très riche en sucre. On a décidé de replanter cette canne parce qu'elle était en voie de disparition. Et donc nous replantons dans la zone de Saint-Michel avec l'aide de Michel Sajous. Et c'est là aussi que nous préparons tous nos sirops. Nous avons notre installation de sirop. Et aussi, nous venons d'installer un nouvel alambic à feu direct et qui nous permettra avec la première distillation du jus de canne, afin de pouvoir ramener ça à Port-au-Prince. C'est une fierté pour moi de pouvoir collaborer avec Thierry et Lucas de la Maison Évillier, qui nous a permis de démontrer au public en général, à l'international, ce qu'Haïti a à offrir.